Alors, ça y est, on est sur le port de Guilière. Là, j'aperçois au loin le Ahmed Sy qui vient me chercher. Il était à Guili-Trawagan, donc il vient à R. Ensuite, on retourne à Ahmed. Je pense que Apple, mon ami, est là. Donc là, on peut faire une petite... What? Yes, best guiding in Guili. Guili boy. Guili boy. Yeah. Donc là, on a les marchands. On a le Harris Café. Et là, est-ce que vous pouvez voir au fond le Ahmed Sy qui arrive? Yes. Parmi tous les bateaux. Hop. Et là, c'est mon ami Kylan qui attend avec moi, qui a porté gentiment ma valise. Et là, le Ahmed Sy qui arrive. Bon, j'aurais dû m'y prendre un peu plus tard pour faire la vidéo parce que j'ai plus grand chose à dire maintenant. Mais je suis contente de les retrouver. Allez, allez, allez. Avec un peu de chance, il va se poser juste en face de nous. Et comme ça, on n'aura presque rien à porter. Ahmed Sy, Ahmed Sy, Ahmed Sy. Voilà. Allez, allez, allez. On va voir le capitaine. On dirait que le bateau est à vide. J'espère que ça pose pas de problème. J'ai payé à peu près j'ai payé 500 000 pour l'aller et retour. À peu près 45 euros. Et là, qui c'est qu'on voit là qui monte sur le bateau? Voilà. It's good, sounds good. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a des photos de lui et de sa femme dans mes albums. Je me rappelle plus son nom, mais il est très gentil. Hello. How are you? Fine. And you? I'm good. Nice to see you. Where do you like it? It's here. Oh. Et là, c'est que je vois. Apple. Bon voilà, on va chercher les bagages et puis on embarque pour le Ahmed Sy. C'est là. On a un gros sac et peut-être qu'on va se faire aider pour le porter. Voilà, voilà.